à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Shadow Gambit. On reprend notre aventure et on était parti pour débloquer une petite perle noire. Non, de l'énergie d'âme, une petite énergie d'âme. On a déjà une perle noire, on veut ressusciter nos derniers personnages. Et on va retourner pour probablement la dernière fois de cet acte à Kumquat. Non, dans le tombeau du pêcheur. Alors, ce sera de nuit, on aura 3 personnes, une durée moyenne, on est toujours en légendaire, on est parti. Petit briefing. Je vais encore galérer à mettre ce nom de mission en titre d'épisode, moi je vous le dis. Hop là. Angler's Grave. Good place to get some illicit soul energy, I wager. Aye, and getting it should be fairly straightforward. The captain had a contact, who was usually right. Your contact isn't invisible by any chance. Usually not. Something must have happened to him. There's quite a gathering in front of the garrison. Maybe we can overhear something about his whereabouts. There's also a local informant who stands disguised as an acolyte inside the walls. Talk to him, and use the password Kumquat. Say anything else, and he will be forced to raise the alarm. Our choice, then. Let's hope we find him before the Inquisition does. Ok, alors, on a déjà fait la mâchoire du pêcheur, on a déjà fait les bidonvilles hauts, vu là où c'est... Les docks, ça pourrait le faire, il y a quand même pas mal de monde hein, qui se balade, mais c'est à d'autres niveaux. Là c'est des gens à cloche, là il y a une des dernières brèches à utiliser. Ça c'est une sortie, ok. Niveau difficulté, ici ça m'a l'air un chouïa plus simple, enfin faut réussir à rentrer dans la zone bleue quoi. Là il y a quand même beaucoup de monde à éliminer avant que, surtout si lui faut pas qu'il nous voit. Ah il y a une trappe ici. Ok, allez on va partir par... Ici, la plage de la canne. J'ai pas déjà fait la plage de la canne? Non, c'était le. Les hachoirs. Ah, j'ai un doute. Non, je crois que j'ai déjà fait la plage de la canne. On va faire le dock de Thorax. Je suis sûr que je l'ai pas fait celui-là. Allez, c'est parti. C'est parti, on va essayer d'aller écouter un petit peu ce qui se dit. On va prendre John, il est parfait pour ce genre de truc. Se foutre dans le sol et écouter. Sulady aussi, et puis bah Fiat, tant qu'à faire, on va prendre les bonus de vigueur. C'est parti, hop là. On en a deux discrets et une qui est capable de tuer. Et on va se faire un nouveau personnage. Alors comme d'hab, un petit blabla peut-être. Hop, penche-toi. Alors, choix dans le débarquement. J'aimerais bien voir si on peut voir les insignes. Journal de bord. C'est toujours pas possible, hein, je crois. Progression de l'île 7%, mais c'est des insignes cachés, insignes de mission. Il y en a pas mal hein, qu'on a pas. Hein. Vache. Il y a encore deux missions qu'on n'a pas faites. Je suis sûr que c'est là et que bizarrement on peut pas voir la progression, ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu. Non, ça sera certainement pas dans l'équipage. Sort est cruel. Miner des gardes. Non, non, bah non. Visiblement, c'est vraiment planqué. Dommage, très dommage. Après ça peut s'entendre, hein, ça rend le fait de les réussir plus difficile, hein, mais c'est vrai que c'est dommage je trouve. Pour le coup, ça serait plus pratique si on pouvait le voir. Alors ici on a un mec qui patrouille, quelles sont nos options pour monter? Échelle, ok, un mec là qui surveille. Il fait nuit donc ça va être un petit peu plus simple probablement, enfin si on peut dire ça. Lui là... Ouais, lui on pourra limite tout longer là, on en a rien à foutre. Est-ce qu'on peut monter? On peut monter là-bas. On peut monter là-bas et on a évité une grande partie des gardes. Par contre, on arrive ici et là, on est niqué. Excusez-moi l'expression.
Bon, on balance un petit truc de Sulady là, et on est bien. On va se re-ranger ça. Ok, on progresse par ici et ici. J'imagine qu'il faut pas faire trop le boxon si on veut qu'il nous parle. Passer par en haut pourrait être une bonne idée. Comment on fait pour grimper? On grimpe ici, on saute là. Ouais, donc ça veut dire que déjà il faut avoir un petit peu générer de mouvement quoi. On arrive ici, on grimpe là, on passe ici. Discrètement, non, il n'y a aucun moyen de faire discret là. Trop de lumière. Il y a lui qui surveille, un pronosticar en plus. Ça c'est un dev, mais je suis pas sûr que ça vaille la peine d'aller. D'aller jusqu'ici. Sinon, quelles sont nos autres possibilités? On longe tout ça. En arrivant de là. Pareil, depuis l'intérieur de la forteresse, du coup. Et là, on y va comment à cet endroit-là? Là, il y a une tyrolienne. Ouais, non, c'est juste pour faire tomber une caisse, ok. Ouais, ça m'a pas l'air d'être une option non plus. Donc, peut-être que le haut n'est pas forcément idéal. Du coup, si on fait pas le haut. Parce que lui il papote, là il y a surveillance, il y a surveillance. On pourra en partie les éloigner grâce au. Grâce à la graine de couverture, mais ça va pas non plus être magique quoi. Sinon on court, on se fout dans le vide là, on se cache et on attend, hein, c'est possible. Enfin, on gèle Jean-Louis, on se met par là. Ouais, ça peut être faisable ça. Ça peut être carrément faisable. Ok, déjà progressons. C'est la première chose à faire. Ça c'est pas un dev, non, c'est un commissarius de base. On devait vérifier, mais normalement... Oh, il peut nous voir quand même. Doucement. Courez les gars. Voilà, parfait. Du coup, lui... Normalement, il nous voit pas. Alors, lui, par contre, il va nous voir, je pense. Là, il nous voit pas. Là, il nous voit pas. Ah, si on se met dans le petit coin, il nous voit pas. Mais bon, c'est un petit peu osé quand même. On va faire une petite sauvegarde. On va essayer un truc rigolo, genre friser lui, repousser lui, essayer de se faufiler en tuant personne. Est-ce que c'est possible? Est-ce que t'es obligé d'avoir une vision? Oui, t'es obligé d'avoir une vision, zut. Alors du coup, j'en repousserai lui pour qu'il nous tourne le dos. On friserait lui. On va jusque là. On exécute. Et on se précipite jusque là. Hop là. Et on va prendre un petit peu de hauteur. Ok, parfait. On se faufile, on tue pas de gens. On va certainement devoir en tuer, hein, maman, y a pas trop de débat. Notamment là. À moins qu'on puisse le faire partir, mais je crois que ça marche pas. On le freeze très rapidement. Puis on saute là, une fois qu'on est là. Ah putain, y a deux appareils là. Qui patrouillent. Waouh. Ah, ça c'est une dev ça. Ça aussi. On a donc tout intérêt à les buter. Entre guillemets. Ok, c'est envisageable. On se faufile là. Lui. On se prépare à le geler. Dès qu'il est gelé, on se précipite, on saute dans la pampa là. Hop là. Donc après il va falloir que on se place. Alors il y avait le mec avec sa caisse là, mais il est parti je sais pas où. Ok, il revient là, très bien. Donc dès qu'elles sont passées, on va prendre probablement toi. Hop là.
Vas-y, va ici. Très bien. Ils ont l'œil affûté, les enfoirés. What was the pirate's favorite letter of the alphabet? R. I think it's C. Let's. Ok, les autres papotent grâce à leur lien depuis l'autre bout du monde, quoi. Ça, c'est la classe. Alors, par contre, ici, du coup, il y a plein de gens qui surveillent. L'angle mort, il est où? Il est à peu près là. Il est à peu près là. Mais par contre, ici, ouais, il n'y a pas d'angle mort identique. Donc, en vrai, dans l'idéal, il faudrait qu'on bute celui-là. Ok, observons un peu plus les événements, parce que c'est bien de... Mais qu'est-ce que tu foutais ? Merde ! J'étais j'étais debout, parce que j'étais en train d'essayer d'utiliser ma compétence. Ouais, ça va être compliqué effectivement de ne tuer personne, je pense. Il va falloir qu'on s'astreigne, parce que je pense que là, ouais, voit jusqu'ici... Et là en vrai, niveau angle mort, peut-être là... Non, même pas, il le voit. Ici c'est même pas, il se croise même pas au niveau de l'angle mort, donc c'est compliqué. Ok, donc du coup, première chose à faire, éliminer Pépé qui est là. On arrête de faire dans le subtil, n'est-ce pas? Hop là. Un de moins, du coup. Thank you for the backup. Maintenant, il n'y a plus personne. L'autre avec sa caisse, zut, il est en train de revenir. Donc on va attendre. On n'a pas ce qu'il faut en place pour en tuer 3, malheureusement. Oh. Tu te caches. Là on pourrait par contre. Hop. Let's get moving, eh? Là ça passe là. Don't let the flame get you. Let's get you somewhere. Hop là, un de moins déjà. Enfin deux de moins du coup. On va utiliser peut-être à peu près la même technique pour se débarrasser de celui-là qui patrouille parce qu'il va nous emmerder. Alors où est-ce qu'il va le coucan? Normalement, il s'arrête là, là. Let's go, Sir Reginald. Quand tu n'entends pas, c'est bon. Another soul. Goodness gracious, you're heavy. Ok, donc on est un peu près tranquille en bas. It's good to be remembered. Maintenant, la question, ça va être de se faufiler là-bas. L'autre, il voit jusque assez loin quand même. Notamment là, c'est allumé, donc il nous voit bien. Donc il faudrait plutôt qu'on se faufile par cette échelle. On va là, on se fout dans le... On se met dans l'angle mort là. Oh ouais, c'est peut-être jouable. C'est peut-être même jouable qu'on ait même pas besoin de se cacher plus que ça. Tiens, on va tester. C'est pour être rigolo de se mettre genre là, là. Et que juste il nous voit pas quoi. Ah, that was a good memory. Même lui nous verrait pas. Non, lui il va nous voir. Ah non, lui il va nous voir clairement. Donc il faudrait qu'on gèle celui-là. You're dead, brilliant. At your service. Le temps d'aller se foutre. A sea flows through me. On va vérifier, yes, mais ouais, c'est vraiment genre là quoi. To be one with the seas again. C'est moi ou t'es debout? Non, elle est pas debout, sinon elle se ferait voir. Okay. Très bien. Vas-y, on va geler. Hop. C'est tout dans le subtil. Alors, qu'est-ce que ça dit? Where did you take him? He's got a family to feed. He should have chosen honest work instead of dealing in cursed energy. He's innocent. You will release him this very instant. He is being questioned in the garrison. If he is found innocent, you may have what is left of him. Curse your stubborn red cloaks.
That is our cue. We must assume the worst. If they truly have him captured, they'll likely have him tied up somewhere inside their garrison. You will let no one get Let me remind Okay. you. Bon bah du coup il va falloir qu'on y rentre dans ce château au final. Très bien, bon bah reprenons. Alors du coup, il y avait moyen de s'infiltrer en passant par là du coup. Donc si on arrive à amener tout le monde ici, on peut s'infiltrer. Ce qui risque d'être quand même un challenge. Hein. Parce que autant... Lui il peut y aller, Afia doit pouvoir y aller également avec sa téléportation, tant si je l'ai dit. Elle a moyen, on a moyen, on va se faufiler, on va tenter l'option par ici. Juste pour le fun. Your presence is overwhelming, Your Honor. Do not fear. I am not here. Là il nous voit pas, on est d'accord. Let's send you away. Donc genre. Incoming. Ouh, qu'est-ce que t'as fait? Ah putain, non mais j'ai mis ce clic. Oh, excusez-moi, c'est pas la compétence que je voulais utiliser. Je voulais poser un buisson et j'ai utilisé la mauvaise comp. Ok, donc du coup, un petit buisson là. Comme ça, on peut avancer. Toi c'est pareil, tu vas aller dans le buisson pour te TP. Hop là. Toi, tu vas là-bas. Pas de problème. Presque pas de problème. Maintenant toi, il y a lui qui nous voit, lui qui nous voit, lui qui nous voit. Ça va être compliqué. Ils font peu en freeze 1. Toi tu vois jusqu'où, jusque là. Donc l'objectif pourrait être d'avancer un petit peu notre graine de couverture. Non, le temps que ça pousse il nous voit. Ok, c'est trop long. C'est trop long, intéressant. C'est bon à savoir au passage ça. D'accord. On freeze celui-là. On repousse celui-là. Et on tue celui-ci. Ça se fait carrément, je pense. Hop. Ça se fait carrément, allons-y. Toc, donc ce qu'on fait, on tue lui, on frise celui-là, on repousse celui-là, et après un coup. Non, ça... le meurtre n'a pas été discret. Très bien. L'autre là-bas, il a vu. Qui a vu de là-bas? Ah, il y a une Ludex là. Oh la vache! We've got acolytes on both doors. Did you get anything from him before you knocked him out? He was hauling old goods. Back on top. Déjà, si je le tue comme ça, ça fait moins de mori. N'empêche que la Ludex va nous voir. Changeons de stratégie. Est-ce qu'on peut repousser lui? T'es un chouïa trop loin. Ouais, ça marcherait. Donc, on repousse lui. Et on fait quoi du coup? On peut pas tuer l'autre. Pas tuer celui-là. Freeze celui-là. On repousse lui juste pour pouvoir le tuer. Ah non, il peut pas. Putain, il peut pas être repoussé. C'est pas cool. Hein. Ah ouais, la Ludex à l'autre bout de la map. Là, je l'avais pas vu venir, j'avoue. Bon, faisons autrement. On va redescendre. On va jeter notre truc un petit peu plus loin sans être repéré. Parfait. On est un peu en meilleure position. Est-ce que à tout hasard,
Là, on tue en 5 secondes. Ça dure 5 secondes aussi, très bien. C'est pas efficace. Someone needs a rest. Je me disais, si je l'assomme, peut-être juste un petit coup derrière la nuque, c'est rapide, l'autre aura pas le temps de voir, mais non. Ok, alors du coup... Toi, tu le fais se tourner. Toi, tu le freezes. Toi, tu le repousses. Et après, tu te faufiles. Voilà. C'est plus subtil, moins brutal, mais ça fonctionne très très bien. Bien, alors faut essayer de pas sauter n'importe où, notamment pas de pas redescendre, mais on va pouvoir s'infiltrer magnifiquement et en plus on va probablement pouvoir se faire la Ludex là. Non, elle est surveillée par l'autre, mais on va pouvoir directement prendre la trappe. Elle nous emmène où? Ah, elle nous emmène en bas la trappe, c'est pas idéal. Oh, I'll have to note that down. Oh, I like that. Toi, tu peux qu'elle est venue vers nous, lui. Là, du coup, il faudrait qu'on se fasse ces deux Ludex du même coup. Lui, il fait quoi dans sa vie? Ok, il se balade là, donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on se le fasse aussi. Il va nous voir là. Watch me go! Ah non, il descend. Ok, intéressant. Intéressant, intéressant. Donc, toi, tu vas grimper là. Les deux autres, ils vont là. L'autre là, il nous voit. Donc... Ah mais en plus, je peux même pas là y aller. Ok. Est-ce que... C'est jouable, c'est pas du tout jouable. C'est pas du tout jouable. L'autre nous voit vachement bien alors qu'il n'y a pas de. Alors qu'il n'y a pas de lumière, hein, je trouve. Et ça, c'est une cachette pour se cacher. Ok, très bien. L'autre, il est déjà en train de revenir là. Merde. C'est pas toi que je voulais bouger. Tu frises jusqu'à quelle distance, toi? Loin, mais pas tant. Allez, faut se bouger, là. Ah, vas-y, viens là. Tu frises le temps que là, on tue. Non, il y a d'autres Ludex encore là-bas? Sérieusement? Oh la vache! Incoming. D'accord, et là on irait comment? Avec la porte qui est ici ou la porte qui est en bas? Bon. Replions-nous. Right. On va nous voir sinon l'autre qui fait sa patrouille là. A memory imprint. Bon, donc les Ludex sont un vrai problème. Sachant que là, c'est couvert des deux côtés, donc on peut pas juste se contenter de passer. Ici, peut-être Kafia pourrait le choper avec une téléportation. Mais ça va quand même être complexe. Là, on pourrait continuer par là. Mais une fois qu'on est là, on est bien, ça ne sert à rien, parce que... Faut pouvoir se faufiler jusqu'ici. C'est peut-être jouable avec Suledis. This plan's growing on me. The tides are being... I like these odds. On va. Is that... You cannot... Ah, elle m'a vu quoi. Sérieux. Pour une demi-seconde debout. Là, il va là, parfait. Easy fix. Let's change your mind. Is this taking so long? We may have overdone it. Pourquoi les deux sont passés? Putain, je voulais envoyer que... Bon, il faudra attendre que lui fasse sa patrouille, je voulais envoyer que Afia, mais... Dans cette bulle de temps, visiblement, j'avais les deux. Et bah tant pis, c'est comme ça. Oh, this is fascinating. Voilà, je vous l'ai dit,
tu vas progresser par là-bas. Treatment's ready. Attention à lui là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit assez bien. Mais normalement il bouge. Parfait. Ouais, c'était peut-être pas très malin ça. Non, ouais, c'est pas. Faut que je pose mon buisson, sinon ça fonctionne pas. Let's get moving, eh? I like these odds. Maybe they should see a confessor. Why is this taking so long? Oh, I see. He's unconscious. Les ludex qui se couvrent les uns les autres, c'est vraiment des saloperies. Hein. Faut dire ce qui est. Une fois qu'on les a éliminés, on est quand même vachement plus tranquille. Hein. Non, qu'est-ce que tu fais? Putain. J'ai pas vu que j'avais sélectionné l'autre. Hein. Ok, on est un peu plus safe. Lui, on peut pas le convertir, on a dit. Il est pas vu par lui, il est pas vu par l'autre ludex. Est-ce que l'autre ludex là-bas le voit? Non. Ah, lui, dans un angle mort, tiens. Intéressant. Donc, limite, c'est elle qui nous emmerde. Non, c'est un peu trop bourrin. Why is this taking so long? The lady at the red. Essayer de sauvegarder cette fois. Treatment's ready. Petit oubli. Working on it. Là, on va sauvegarder une fois arrivé là. Voilà. Ensuite, toi, on va poser ça ici. Très bien. Alors ensuite, du coup, comment on peut gérer ça? Il y en a vraiment partout des mecs. Hein. Dès qu'on se lève un petit peu, c'est mort. Mais lui, par contre, est quand même globalement dans un angle mort. Peut-être pas pour celui-là, ouais, non. Peut-être pas pour celui-là, en tout cas pas tout le temps. Qu'est-ce qu'il fait après lui? Il vient jusqu'ici. Ouais, il le surveille quand même globalement bien, sauf quand il est en train de s'en aller. Et elle là par contre elle fait chier parce qu'elle a une sacrée belle vision, mais à la limite on peut presque l'éviter en longeant le mur. Et là du coup, nice capture, si on fait un truc comme ça, right, et un truc comme ça, on est bien. Ok, donc il nous reste Afi à placer. Well, well. My body fades. Est-ce qu'on peut l'atteindre? Ok, on peut l'atteindre, très bien. Donc, ça fonctionnerait. Ça fonctionnerait. Return. C'est nickel. Il n'y a plus qu'à se placer bien. Ça fonctionnera, alors il faudra que je cours. Hein, parce que en allant lentement, ça passe pas. Mais il y a lui aussi qui m'a vu peut-être quand je suis passé devant. Ouais. Si tu sors. Ouais, il y a lui qui me voit probablement. Ok. De toute façon, on va attendre, j'ai d'attendre que lui ait fait son tour. Quoi qu'il arrive. Après, est-ce que je pourrais faire différemment et carrément me TP, aller dans son dos là? Ah, il y a lui aussi qui me voit. Cette zone là est vraiment pas safe. Hein. Clairement, elle est pas safe. Et toi, tu vois jusqu'où déjà? Ouais, là on est vraiment à la limite là. Si je fais ça, tout le monde m'entend.
Là, on a une portée, mais c'est pas dingue. On peut la geler. Je vais la geler juste pour voir. Ça passe. Ça passerait, je pense. Genre de justesse, mais il y a moins que ça passe. Remember, all we need is a name. I know, but he's still alive. We'll get it. Faut qu'on la gèle, qu'on court. Et qu'on steppe. Now we're getting somewhere. Et dans la foulée derrière. Alors attendez, on va la geler dès qu'elle est passée là. Voilà. On la gèle. Toi tu fais ça, toi tu fais ça, et toi tu fais ça. C'est parti. Qui m'a vu? Ah, il y a l'autre qui m'a vu la tuer là-haut. Je crois qu'elle était trop haute. Ah oui, il voit. Ok, très bien. Très bien. Donc, à faire attention. Et si on la tue là, ici, en termes de, non, en termes de, c'est bon. Il y a pas de. Toi, tu te prépares. L'autre avec sa cloche, on est où? Il est là. Ok, très bien. Là, il va se retourner. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il fait? Il va jusqu'ici. Et après, il se met comme ça et il surveille pendant un petit moment. Ouais, ok. Il va falloir qu'on se le fasse quand, quand il nous tourne le dos, dans l'idéal. Parce que là, du coup, il entend. Hein. Ouais, là il entend. Qui entendrait? Attendez. Oh, I see. Non, y'a personne content là. Too many weeds here. Ouais, on est d'accord, y'a personne content. Bon, ok, on y est presque. On a regardé un petit peu tout ça. Lui il va faire son truc là. On va attendre que lui repasse et normalement on devrait être à peu près synchro comme il faut. Et toi, t'auras ça comme priorité. Donc du coup on va reprendre là pour pouvoir friser au bon moment. Là on est bon, c'est passé. Là on est bon, il a fait demi-tour. Ok, très bien, vas-y, sors. I'll snap my fingers. No second thoughts, eh? Lui m'a vu. Oh là là, quel enfer. Il faut que lui aussi nous tourne le dos. We're not finished yet. À quel moment il nous voit lui? Remember, all we need is a name. I know, but he's still alive. We'll get him. À quel moment il nous voit? Qu'est-ce que ce bordel? Là, il nous voit pas. L'autre est loin. L'autre est passé. On sort. Exécute, pardon. Vas-y, tu vas te préparer à faire ça. Toi, tu te prépares à faire ça. Toi, tu te prépares à faire ça. On va prendre toi. Tu gèles, on exécute. Je crois qu'on ne l'a pas gelé, mais tant pis. Ça l'a fait quand même. Allez, planque-moi ça là. Back to the sea. A rat's gonna slow me down. Ah, let's drag up, up we go. Ah oui, elle est slave, c'est vrai. Je fais gaffe. Yeah, let me add him. Ok, bon bah déjà on a éliminé les gardes Shulm. Ça devrait nous aider pour la suite. Ça veut dire notamment que lui là, on va pouvoir le buter assez aisément. Enfin, du coup probablement pas parce que. The prognosticar is pressing to speak. I'll be there soon. I'll send a messenger. Once he regains consciousness. Donc là, on lui mettra un petit coup de dague dans le dos quand il passera. We're all cutthroats here. No second thoughts, eh? Chope-le. Oh putain.
Oh, le misclic. Sérieusement. C'est abusé. Pardon. Est-ce que là on pourra lui sauter dessus? Normalement on devrait pouvoir lui sauter dessus également. En vrai. Ok, parfait. Un de moins. I am not here. A little souvenir. Oh, I like that. I know right where to cut. La mine-le, s'il te plaît. I gotcha. Fais pas n'importe quoi. Vas-y, rentre. Coming right up. Why is this taking so long? We may have overdone it. Ok. He's unconscious. Ça se nettoie petit à petit. Look, là-bas, on est propre. Never look back. Afia, t'étais là, d'accord. Je me juste là. Si tu pouvais te bouger. Voilà, les fesses. Pas faire n'importe quoi. Je t'en serais reconnaissante. Bien, il nous reste les deux péons qui papotent. Lui, il surveille là-bas. Mais il est surveillé par les péons, j'imagine. Parfait, ils sont 4 et ils nous emmerdent. C'est nickel. Et toi, du coup, t'es obligé de descendre là, maintenant que t'es ici. Ah bah non, tu peux descendre par là. Parfait. On va essayer de le faire venir. Non, pas ça, si tu fais ça, tu vas aller nulle part. Faudrait que j'ai un meilleur angle. I'm feeling blue. Nothing ails your soul today. Let's send you away. This plan's growing on me. I'm sure the Inquisitor knows about it. Take a walk. Non, il a un angle trop mauvais. Ça, c'est dommage. Treatment's ready. Ça, c'est dommage. Bon. Comment on va gérer ça? Ah, en plus, oui, il y a lui qui nous regarde là. J'avais oublié celui-là. Celui-là, il est peut-être gérable plus facilement, par contre. Parce qu'il y a lui qui regarde là. Ah, mais une fois qu'il bouge, il le voit aussi. D'accord, donc non. Ça ne marche pas. Ça dure combien de temps? C'est assez long, hein. Temps de recharge 8 secondes. What a strange non. Hop là. Ça fait le taf. On a éliminé un garde déjà. Ok, donc ensuite. Ensuite on va arrêter l'épisode là parce qu'il est largement assez long, donc j'espère qu'il vous a plu. On progresse petit à petit, un puzzle compliqué ici avec les Ludex là, mais c'est géré. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé, et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde.